D'abord, la bonne nouvelle. Le monde pète le feu. On a une guerre civile en Russie. Gouvernement contre ultranationalistes et 15 000 bombes nucléaires en jeu. Ouais, la routine, quoi. Khaled Al-Assad. Actuellement le deuxième homme fort du Moyen-Orient. Le bruit court qu'il a les moyens de passer numéro 1 là-bas. Les services secrets l'ont à l'œil. Et la mauvaise nouvelle? On a un bleu qui arrive aujourd'hui. Tout droit sorti des sélections. Il s'appelle Soap. C'est le nouveau, chef. Allez-y doucement avec lui, chef. C'est son premier jour ici. Ah, c'est vrai? C'est quoi ce foutu nom, Soap? Comment un branleur comme vous a pu passer les sélections? Soap, à toi de passer le test de combat rapproché. Les autres au poste d'observation. Pour ce test, tu dois traverser le cargo en moins de 60 secondes. Gaz détient le record du groupe avec 19 secondes. Bonne chance. Escalade l'échelle qui est là. Prends ce MP5 et 4 grenades flash. À mon signal, tu descends sur le pont et tu fonces à la position 1. Ensuite, tu prends l'escalier d'assaut et tu rejoins la position 2. Puis tu vas aux positions 3 et 4 en suivant à chaque fois mes instructions. Attrape la corde quand tu es prêt. Go, go, go! Attaque les cibles! Position 2, allez! Attaque les cibles! Grenade flash dans la porte! Position 4! Attaque les cibles! Position 5, allez! Attaque les cibles! 6, allez! Grenade flash dans la porte! Attaque les cibles! Dernière position, allez! Foncez, vous y êtes! Pas mal, Soap, mais j'ai vu mieux! Messieurs, la mission cargo est lancée. Préparez vos affaires. On décolle à 2 heures. Rompez. Équipe Bravo, nos renseignements viennent de notre informateur en Russie. Le colis est à bord d'un cargo estonien, immatriculé 52775. Présence d'un équipage réduit et de sécurité à bord. Règle d'engagement. Équipage sans importance. Pivot, ici Marteau 2-4. On a la cible en visuel. Arrivée estimée dans 60 secondes. Entendu 2-4. On éteint. Secondes. Point radio, passé en fréquence sécurisée. Paré et chargé. Feu vert, allez, allez! Feu à volonté. Bon dégagé. Laissez le feu! Gaz, tu restes dans l'hélico le temps qu'on sécurise le pont! À vous! Merci! Avec moi! Escalier, ok! Hey, na zdorovye, polkovnik! Terminé! Couloir, ok! Vite pour rêve! Quartier de l'équipage, ok! Avancez! Le pont avant est dégagé. Feu vert pour Alpha. Allez! On a que la visite. Marteau 2-4, on a des cibles au deuxième niveau. Entendu, on attaque. Bravo 6, Marteau est à court de jus, on décampe. Oiseau de nuit sera sur site dans 10 minutes pour évacuation. Bien reçu, Marteau. Walcroft et Griffin, couvrez nos arrières, les autres avec moi. Bien reçu. Tu préfères garder ça pour le combat rapproché? C'est pas faux. À mon signal, en avant! Surveillez les coins. On y va. Surveillez les coins. À droite, RAS.
À gauche, RAS. Couloir, ok. Avancez. Attendez, à mon signal. En attente. Grenade flash. Go. Passerelle dégagée. Je vous couvre. Avancez. Avec moi. Avancez. On continue. Un, prêt. Deux, prêt. À mon signal, en avant. Ennemi à terre. Au rapport. Tout va bien? Bien reçu. J'ai un signal fort, capitaine. Vous voudrez peut-être voir ça. C'est en arabe. Vivo ici, Bravo 6. On l'a trouvé. Prêt à transporter le colis. Pas le temps, Bravo 6. Deux diables foncent vers vous. Prenez ce que vous pouvez et foutez le camp. Déplacement rapide. Sûrement des MiG. On devrait filer. Mac, le manifeste dans le conteneur. Vite! Bon, tout le monde sur le pont supérieur. Maniez-vous! Walcroft, Griffon, quelle est votre situation? Déjà dans l'hélicoptère, capitaine. Avion ennemi en approche! Merde! Bravo 6, répondez! Bravo 6, quelle est votre situation? Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Le navire coule! Il faut partir! Vite! Bravo 6, répondez! Répondez, merde! Poisson de nuit ici, Bravo 6, on est en route! Debout, soldats! On dégage! Sur les passerelles! Allez, allez! Bougez-vous, allez! Relevez-vous! En avant! Attention la tête! Allez, allez, avancez! Vite! Allez, allez! Attention les gros! Parlez-moi, Bravo 6, vous êtes bon, bordel! Entendu, on y est presque! À droite, à droite! On a plus le temps! Allez, vite! Avancez! Il est ouvert! Sautez! Ah! Je tiens! On est tous à bord, allez! Bien reçu, on dégage. Et vous, ici, oiseau de nuit. On a le colis, retournons à la base. Terminé. Voiture en approche. Continuez de chercher. Thank you.
stade de Bédriassad. Il a l'air fin. استدر الى اليسار الى اليسار حان الوقت لاظهار قوتنا الحقيقيه انهم يستعينون بعزيمتنا دعونا نريهم اننا لا نهابهم هكذا ابتدى Capitaine Price, Al-Assad vient d'exécuter le président Al-Fulani en direct. Les Américains se chargent d'Al-Assad. Et on ne peut plus rien pour Al-Fulani. Mais dans moins de 3 heures, nom de code Nikolaï sera exécuté en Russie. Nikolaï. Nikolaï est notre informateur chez les ultranationalistes. Il a fourni les renseignements sur l'opération du cargo. Nikolaï est grillé à présent. On doit le sortir de là. On s'occupe de nos amis. On y va. Les loyalistes nous attendent à 500 mètres au nord. En avant. Des loyalistes, hein? Et eux, c'est les bons russes ou les mauvais? Eh bien, ils ne nous tireront pas dessus à vue, si c'est ce qui vous intéresse.
C'est déjà beaucoup, merci. Bon boulot. Il doit rester quelques gardes là-haut. Kamarov et ses hommes nous attendent dans un champ au nord-ouest. Tu sens ça, Gaz ? Kamarov ! Bienvenue dans la Nouvelle-Russie, Capitaine Price. Quelle est la cible, Kamarov ? On a un informateur à récupérer. Les ultranationalistes ont des BM-21 de l'autre côté de la colline. Leurs roquettes ont tué des centaines de civils dans la vallée. Pas si vite. Beyrouth, ça vous rappelle rien ? Vous venez avec nous. Je vous suis redevable, je suppose. Et pas qu'un peu! Par ici, votre sniper pourra bien couvrir mes hommes d'ici. Groupe de snipers en position. Gaz, couvre le flanc gauche. Compris. À toutes les unités, lancez l'attaque. Élimine les mitrailleurs aux fenêtres pour que les hommes de Kamarov puissent entrer. Sauve, descend les mitrailleurs aux fenêtres, à 10 heures en bas. Merde, des hélicoptères ennemis. Vous n'aviez pas dit qu'il y aurait des hélicos, Kamarov. Je n'ai pas non plus dit qu'il n'y en aurait pas. On doit couvrir mes hommes de ces hélicoptères, par ici. Maniez-vous, Kamarov, je veux cet informateur. Inutile de vous inquiéter. On éliminera les BM-21 et on ouvrira le chemin jusqu'à votre informateur, Capitaine Price. Quoi status? Capitaine Price, mes hommes rencontrent une forte résistance. Appuyez-les depuis les falaises. Et notre informateur? Il a plus beaucoup de temps. Alors aidez-nous. Plus mes hommes avanceront dans ce village, plus on se rapproche de votre informateur. Bien, on avance. Suivez-moi à la centrale. Regardez, l'assaut final a déjà commencé. Avec un meilleur soutien de votre sniper. Ça suffit! Où est l'informateur? Что ты делаешь? Что сумма зашел? Où est-il? La maison! La maison au nord-est du village! Ça s'est bien passé, non? Allez, va t'asseoir au coin. Sauf Gaz, on doit rejoindre cette maison avant qu'il n'arrive quelque chose à l'informateur. Allez! Gaz, fais le tour et coupe le courant. Les autres, tenez-vous prêts. Gaz, vas-y! Виктор! Электричество погас...
Avec ses lunettes infrarouges, c'est trop facile. Sacha. This is... Что вы хотите? Что вы? Спецвойска? C'est lui. Николай, est-ce que ça va? Vous pouvez marcher? Oui. Et je peux me battre. Merci d'être venu me sortir d'ici. Oiseau de nuit, ici Bravo 6. On a le colis. Rendez-vous sur la Z1. À vous. Bravo 6, ici Oiseau de nuit. On est en route. Terminé. En avant, en avant! Les Américains ont lancé l'attaque contre Al-Assad ? Non, l'invasion débute dans quelques heures. Pourquoi ? Les Américains commettent une erreur. Ils ne prendront jamais Al-Assad vivant. À l'ouest de la ville. On va sécuriser le périmètre et choper Al-Assad. Ok, Marine ? Le littoral est en vue. Entendu, Stryker 6-4. On sera à terre dans 10 secondes. Merci. On nous tire dessus. Compris. On a des lance-roquettes en bas. Assez loin. C'est la cible en visuel. Cinq secondes. Attendez le feu vert. Descendez, allez, allez. Go, go, go. Deuxième section avec moi. On va au bâtiment, ils ont poussé les barrages. Allez. Voilà le bâtiment. Brèche dans la porte de droite. Regroupement. Faites-moi sauter ça. On entre, on y va. Go, go, go. RAS. Jackson, en pointe. De la télévision est verrouillé et encerclé. Bien. En position pour attaquer. À l'avant. On entre, on y va. Allez, allez, allez. Avec moi. Défendez.
Ouais, nos gars sont en route. Ouais. Ouais. Cessez le feu, nos gars sortent. Aucune trace de Al-Assad. D'accord. À vos rangs, Marine. Restez concentrés. C'est en boucle. L'émission est enregistrée. Ouais. Un point pour les services de renseignement. Griggs, éteignez ce truc. J'ai mieux que ça, de toute façon. QG, ici Red Dog. La télévision est sous contrôle. Aucune trace de Al-Assad. L'émission est enregistrée, à vous. Ouais. Oh ouais. Bien reçu, QG, terminé. Marine, rassemblement! On a une nouvelle mission. Rassemblez le matériel et tenez-vous prêts à partir. Après les durs combats de Jordi, les armées ont avancé dans la ville et s'est retranché à la salle. Les combats se sont intensifiés dans la capitale. La nuit est illuminée par les tirs anti-aériens. Position confirmée, je répète. Coordonnées 5, 2, 7, 6, 1, 9. Terminé. Bravo 6, bien sûr. Avant. Bravo 6, on a un Abrams immobilisé. Unité sans billet. Lieutenant Vasquez, votre unité se fait canarder. Reçu, bravo en approche. 6 à sans billet d'être prêt. On y va. Terminé. Le char de la compagnie Alpha est bloqué à 500 mètres au sud. On doit foncer. En avant! En avant! C'est bon! Continuez d'avancer! Attention, embuscade! On passe à droite! Embuscade! Tir de neutralisation sur ce bâtiment! On peut C'est le dernier. Bravo 6, submission un peu nourrie sur notre position, au nord du pont. C'est tout bordel! On y est presque, tenez bon! Le char est de l'autre côté de ce pont. Allez, rejoignons le groupe! Alpha 6, quelle est votre situation? On est encore encerclé! Il y a plus que nous quatre, mais le char est opérationnel! À vous! Bravo 6, ici sanglier, le canon principal est sa chaîne, mais on a encore notre mitrailleuse. Ils avancent avec des charges explosives, empêchez-les d'approcher du char!
Bravo 6, il y a un ZPU ennemi au sud de votre position. Impossible d'envoyer un hélico tant que vous ne l'avez pas détruit. À vous. Jackson, trouve ce ZPU et élimine-le qu'on puisse avoir notre soutien aérien. Lopez, Yes, couvrez-le. Ok, en avant. Surveillez l'accès ouest, allez. Pas beaucoup de temps pour sortir ce char de là. On va prendre des positions défensives autour du marais. Ici, ici et ici. Faut donner aux techniciens le temps de faire avancer ce char. Compris ? Là. Missile en approche, accrochez-vous! Toujours en un seul morceau. Debout. Allez, il faut avancer avant que les équipes de recherche n'arrivent. Quelle est la situation? Paulsen et les deux pilotes sont morts. Merde. Bon, le point d'extraction n'est plus très loin. En avant. Bravo 6, ici Pivot. Un bombardier à ses 130 de soutien est en route, mais il lui faudra un moment avant d'atteindre le site. À vous. Entendu, bravo 6, terminé. À ses 130, hein? Ça faisait un moment qu'on n'avait pas bossé avec l'un d'eux. On se fait tout petit, et on évite les ennuis. Capitaine, des véhicules approchent au nord. Tout le monde sous le pont, allez! Bon, en avant! Stop, on a de la compagnie. Что здесь происходит? Что тебе надо? Не надо прикидываться дурачком. Мы знаем, что вы их где-то прячете. Bon, allez, on continue. Ça
c'est trop calme. Où est-ce qu'ils sont? Ils doivent se regrouper. Ils vont essayer de nous tomber dessus plus loin. Restez vigilants. Capitaine Price, on a des missiles Stinger dans la grange. Troupe, prends un Stinger et descends-moi cet hélico. Allez! Ça, c'est un beau carton, Soap. Whitefire, nous remontons la route vers une ville à l'est. Confirmez que vous nous avez en visuel. J'ai nos troupes en visuel. À l'équipage, ne tirez pas sur les cibles marquées au stroboscope. Ils sont avec nous. Opérateur, vous voyez l'église de la ville? On la voit. Commencez le décompte. On est sur le site, compris. Je vous écoute. Vous n'êtes pas autorisé à raser l'église. Pas de tir direct sur l'église. Véhicule en déplacement. Un des véhicules est en cours de déplacement. Des ennemis sortent de l'église. Escouade en approche. Elle vient de l'église. Demandons autorisation d'attaquer. Bien sûr. Vous êtes autorisé à attaquer le véhicule en déplacement et toute personne se trouvant autour. Affirmatif. À l'équipage, autorisation d'attaquer, mais ne tirez pas sur l'église. Oh, et boum! Vous l'avez eu. Portée du scan. Bien, en plein sur la cible. Wildfire, ici Bravo 6. Nous passons devant une grande église et poursuivons vers la grande route. Continuez de tirer. Bravo 6, terminé. Bien. Des ennemis traversent le champ. Autorisation d'attaquer le personnel ennemi. Waouh, joli tir. Il y a des morceaux partout en bas. Éliminez l'individu. Allumez-les. La cible court. Retournez sur ces types. En approche. On a un véhicule en déplacement. Négatif, négatif, n'attaquez pas, je répète, n'attaquez pas les véhicules sur la route principale. Wildfire, nous allons réquisitionner des véhicules civils sur la grande route. Couvrez-nous. Personne n'attaque les véhicules sur la route, ce sont des civils. Des unités au sol changent de moyen de transport. N'attaquez pas les véhicules sur la route sans autorisation formelle. Le mec doit être fou de rage. Il était bien
bien ce camion. Non. Il a une trouille monstre. Wildfire, nous marquons les véhicules. Confirmez que vous voyez les balises. Bien sûr, on voit les balises. À l'équipage, ne tirez pas sur les véhicules marqués par les balises. Je répète, ne tirez pas sur les véhicules marqués par les balises. Ils sont avec nous. Attention, des troupes ennemies préparent des embuscades sur la route en lacet. Eh, c'est laquelle la route en lacet? À vous. Contrôle, vous voyez le château d'eau? À vous. Opérateur, vous voyez le château d'eau? Vous parlez du château d'eau près du croisement? Compris, c'est bien ça. À côté de ce château d'eau, il y a une route en lacet. Vous la voyez? Bien sûr. Suivez cette route jusqu'au village suivant. Vous devriez voir un autre château d'eau dans le village, un peu plus loin. On a un peu de mal à trouver le village. Il se trouve à quelle distance sur la route? Environ, attendez. C'est à deux bornes sur la route en lacet, en s'éloignant de la route principale. Bien reçu. On vire vers le village. Soyez prêts à engager les cibles au sol. Portez du scan. Wildfire, on approche de la ZA de la décharge. On quitte les véhicules. Bien reçu, Bravo 6. À l'équipage, nos hommes quittent les véhicules et rejoignent la ZA à pied. Ne tirez pas sur l'escouade indiquée par le stroboscope. Affirmatif. Attention au stroboscope, ces gars sont avec nous. Personnel ennemi dans la décharge. À l'équipage, on a le feu vert pour les éliminer. Hey, ces types vont vers la ville. Bien, en plein sur la cible. Vous l'avez eu? Personnel ennemi en approche. Nettoyez le signal. Autorisation d'attaquer le personnel ennemi. Compris, cible en déplacement. Wow. On cherche. Wow, joli tir. Il y a des morceaux partout en bas. Wildfire, nous sommes sur la ZA, mais on est attaqué de tous les côtés. Demandons tir de soutien autour de la ZA. Danger! Des troupes ennemies approchent de la ZA par plusieurs côtés. Danger imminent. Recommande tir de 25 mm autour de la ZA. Et boum! La cible court. Éliminez l'individu. La vache! À l'équipage, nos hélicoptères entrent dans la zone. Ne leur tirez pas dessus. Bien sûr. Wildfire, on se dirige vers les hélicoptères. Merci pour votre aide. Bravo 6, terminé. Ah bah mon vieux, tu parles d'un bordel? J'ai entendu. À l'équipage, le VIP est sous bonne garde. Beau travail. Bien compris, retournons à la base. Devant nous. À vous.
Artilleur, bâtiment à trois étages à midi. Deuxième étage. Cible en visée. Il faut tenir! Un char ennemi remonte la route! Ennemi à découvert! Grenade! Sanglier Bravo 6, T-72 derrière le bâtiment à vos 10 heures. Vous pouvez tirer? À vous! Bien sûr, Bravo 6, géothermique, on passe en manuel. Je tire! Peut-être une info sur la position d'Al-Assad dans la capitale. Le premier bataillon est en route. Les renseignements des SAS indiquent qu'Al-Assad pourrait détenir une tête nucléaire russe. Il faut agir vite. Les équipes du déminage ont été déployées dans la zone. Les unités reconnaissance et balotage ont détruit la plupart des défenses aériennes. Mais les forces au sol d'Al-Assad restent une menace. Bref, on va mettre le paquet. On chope Al-Assad et on la termine. À vous de jouer, Marie. Terminé.
Allez, mesdemoiselles, on va chercher nos petits copains et on met les voiles. Tir de mortier! En approche! Allez voir si vous trouvez nos gars près des fumées vertes au deuxième étage. On doit les faire sortir de là, allez! Cessez le tir! Il y a des gars au deuxième, je tirez répète! Tirez sur ce balcon! Alors, c'est vous, le taxi? On y est, capitaine. Dégageons avant qu'ils ne se retrouvent. Allez, à la Zeda! Allez! Allez! Retourne, Martine! Des ennemis! Nous avons un gros problème sur les bras. À vous. Je vous écoute, QG, à vous. L'unité 6 des SEAL a repéré un engin nucléaire dans le palais d'Al-Assad, à l'ouest. Des équipes du déminage sont en route. Nos forces doivent se replier à l'est jusqu'à ce que l'engin soit sécurisé. À vous. On est touché! On est touché! J'ai perdu mon rapport de queue! Mayday, ici Serpent! On a sacrément morflé! On va s'écraser, merde! On a un cobra à terre, je répète. On a un cobra à terre. Serpent ici, bandit de 5, répondez à vous. QG, j'ai le site du crash en visuel. Je vois des tirs d'armes légères provenant du cockpit. Demande autorisation de lancer mission de sauvetage. Compris, de 5. Vous ne serez plus à distance de sécurité si la bombe explose. Vous avez bien compris? Bien compris, on sait parfaitement quels sont les risques. D'accord, de 5, comme vous voulez. Tentez de récupérer le pilote, terminé. Serpent, vous m'entendez? Quelle est votre situation? À vous. Je suis là! Keating est mort! L'ennemi approche! J'ai vraiment besoin d'aide ici! Tenez bon, on arrive. Attention, de 5, l'ennemi progresse parallèlement au sud-ouest vers le site du crash. Jackson, prends le pilote, on ne laisse personne. Jackson, sur vous là et reviens sur la Zeta, allez. Allez, hélico, on s'occupe du coin, allez. Lieutenant Vasquez, ici Bandit 2-5, je suggère qu'on mette les voiles et plutôt deux fois qu'une. À vous. Compris, on est en route. Bandit, ici le QG, on a une probable menace nucléaire dans la capitale. Maintenez une distance de sécurité minimale jusqu'au feu vert des gaz du déminage. Allez, allez! Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. Ça va chez vous et dur, tenez bon. Check, puissance maximale. À tous les US, menace nucléaire confirmée sur la capitale. Les hommes du déminage sont sur place et tentent de désamorcer l'engin. Je répète, menace nucléaire confirmée. Pour déclencher ce qui semblait être une explosion nucléaire dans son propre pays.
Rassemble l'équipe. On va en Azerbaïdjan. Oui, j'ai entendu dire que c'est très beau à cette période. Voilà l'homme de Kamarov. On y va. Al-Assad est dans le village. Les ultranationalistes le protègent. Parfait. En avant. Pourquoi avoir fait ça? D'où vient la bombe? Qui alors? Qui? Je veux un nom! Un nom! Je veux son nom! Chef, c'est son portable! C'était qui, chef? Zakaev. Imran Zakaev. J'étais juste lieutenant à l'époque. À faire le sale boulot. Tchernobyl. Noël pour les méchants.
Même 10 ans plus tard, beaucoup y allaient pour obtenir du matériel nucléaire. Beaucoup. Y compris un certain Imran Zakaev. Bien sûr, on pouvait pas les regarder sans rien faire. Laisser ces tarés se payer du combustible irradié. L'hiver nucléaire, c'est pas ma saison préférée. C'était la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que notre gouvernement autorisait un assassinat. J'étais sous les ordres du capitaine Macmillan. Bonne nuit, on y va. Ne bougez pas. On a un guetteur dans le clocher, et une patrouille arrive par le nord. Par là, en avant. Vous avez le guetteur en visée ? Restez derrière. Restez baissé. Il est à moi. Oh, Suzy. Et voilà le travail. En avant.
Attendez. Ok, on y va. En avant. Attendez ici une minute. Quand ils s'en vont, sortez discrètement. Patience, ne faites pas de conneries. Attendez. Allez. Prêt? Allez. Plus un geste. Personne ne nous a vus. On continue. Par là. Stop. Laisse tomber, c'est un chien sauvage. Avancez. 50 000 personnes vivaient ici. Maintenant, c'est une ville fantôme. J'ai jamais vu un truc pareil. Patience, petit. Attendez d'avoir un bon angle de tir.
terre. Je crois que vous lui avez emporté le bras. Le choc et le saignement finiront le boulot. Merde, ils nous ont vus. Éliminez cet hélicoptère, on va gagner du temps. Quel tir, lieutenant. Allons-y, ils vont se mettre à notre recherche. Faut y aller. On va prendre un raccourci. Suivez-moi. Lieutenant Price, suivez-moi. Delta 2-4, ici Alpha 6. On est repéré, je répète, on est repéré. On se dirige vers le point d'extraction 4. Alpha 6, oiseau bleu est en route, arrivée estimée dans 20 minutes. Traînez pas, on est déjà limite côté carburant. Terminé. On va les jouer dans cet immeuble. Прикройте все выходы, остановите их в парке! Attention!
Arrivée estimée de l'hélico dans une demi-heure minimum, capitaine. C'est pas bon, ça. On tiendra pas 20 minutes ici. Tous les tarés ultranationalistes à la botte de Zakaev vont se pointer par ici pour récupérer Al-Assad. Où est-ce qu'il reste de lui ? Exact. On va placer des charges le long de la ligne Alpha sur la colline sud. Et d'autres sur la ligne Bravo. On va les retenir jusqu'au sommet. Puis on se fixera sur le site d'extraction dans les champs autour de la ferme. Des questions ? Ok, c'est parti.
vous avez 3 minutes pour arriver, sinon on part sans vous. On va se retrouver seul pour rejoindre la ZEDA. Ce n'est pas le responsable de la mort de vos marines. Désolé. Imran Zakaïev, hein? C'est un vrai fantôme. Nos services disent qu'il se cache. Eh bien, j'ai un plan pour le trouver. J'écoute. Le fistre. Le fils de Zakaïev, chef des forces ultranationalistes sur le terrain. Les pommes pourries ne tombent jamais loin de l'arbre. Le loyaliste Kamarov sait où se trouve le gamin. Et ce petit con sait où se trouve Zakaïev. Les péchés de nos pères. C'est des conneries. C'est le meilleur endroit. Le poste de contrôle est juste devant. Pas mal, Kamarov. Ça fera l'affaire. Vautour 1-6, on est en position. Bravo 6, ici Vautour 1-6. Les brouilleurs radio sont activés. Vous pouvez attaquer le poste de garde. Terminé. Sur cette benne et tiens-toi prêt à éliminer les gardes à mon signal. Les autres, suivez-moi. Soap, élimination. Allez, allez, allez! Mettez le paquet! C'est bon, on fait le ménage. Mettez les uniformes ennemis et éteignez les feux. Kamarov, je veux vos hommes à terre si les conducteurs posent des questions. Occupez-les jusqu'à ce qu'on repère le fils de Zakaïev. On est pressé, alors au boulot. Eh ben, t'as l'air complètement con avec ces fringues. T'as du bol d'être en haut. Parce que t'as vraiment pas l'air russe. Bravo 6, ici Vautour 1-6. On suit un convoi ennemi qui se dirige vers vous. Je compte 6 véhicules dans le convoi, à vous. Bien sûr, personne ne tire avant mon ordre. Thank you.
La cible prend la tangente. Chop, prends Griggs et rattrape-le. On s'occupe des renforts ennemis et on vous rattrape. Allez! Bravo, ici Voto 1-6. Je suis la cible. Il bouge vite, le salaud. Bon, il quitte la décharge au nord-ouest. Coincez-le. Allez, allez! Bon, la cible se déplace, au nord. Il se dirige vers la périphérie de la ville. Il y a quelqu'un derrière la veine renversée. Les ennemis viennent vers vous, ruelle à votre gauche. Des ennemis traversent le parking vers l'immeuble de 5 étages. Ne tirez pas! Chop, maîtrisez-le, vite! Lâche-le! Chop, maîtrisez-le! Merde, le petit a des problèmes. Pivot ici, Bravo 6. Le fils de Zakaïev est mort. On rentre à la maison. Et merde! Son fils était notre seule piste! Laissez tomber. Je connais le bonhomme. C'est pas le genre à abandonner. Allons-y. Nos soi-disant chefs nous ont vendus à l'Ouest. Ont détruit notre culture, notre économie, notre honneur. Notre sang a été répandu sur notre sol. Mon sang. Sur leurs mains. Ce sont eux, les envahisseurs. Les troupes américaines et anglaises devront quitter la Russie immédiatement. Devront payer le prix. C'est simple. Si on ne reprend pas le site de lancement dès demain, toutes les cartes d'état-major seront fausses. Ok pour le parachutage. Équipe Charlie, on y va. Second largage en approche. Bravo, tenez-vous prêts. Go! Où est Griggs? Aucune idée, monsieur. Bravo 6, le sergent Griggs vient juste d'activer son transpondeur d'urgence à 500 mètres au sud-ouest de votre position. Terminé. On est en route. Bravo 6, terminé. On y va. Ils doivent garder Griggs dans une de ces maisons. Il y a un point d'entrée par la porte des sous-sols. Ensuite, on avancera pièce par pièce. Et surtout pas un bruit. On y va. Va voir.
2056. Vous êtes, Marich, la convention... Réalisé. On passe au-dessus. On dirait que c'est ici. Préparez-vous à entrer. Soap, libère Grix, vite. Putain, il était temps. Je commençais à croire que vous alliez m'abandonner ici. J'y avais pensé, mais c'est toi qui as tout le C4. Tout va bien ? Ouais, bon pour le service. On doit détruire cette tour pour que les équipes de pointe puissent franchir le périmètre électrifié. Hélicoptère ennemi ! Générateur de secours dans 10 secondes. En attente. 5 secondes. C'est bon, on est entré. Bravo 6, on vous attend, point de ralliement. Terminé. Bien reçu, Sniper 2. On est en route. Terminé. Ouvrez-moi cette clôture! Sniper 2 à Bravo 6, on sort de la forêt au sud. Tirez pas, c'est un des groupes de snipers américains. Content que vous ayez réussi. On vous couvrira quand vous entrerez dans le péri... Qu'est-ce que c'est que ça ? On a un problème ici. Terre.
par le nord-ouest. Je répète, on arrive par le nord-ouest. Attention, vous tirez. Confirmé, à vous. Bien reçu, équipe 3. On vous rejoint à l'extrémité nord du tarmac, près des puits de ventilation. Terminé. Tout le monde s'accroche. Ok, on y est. Moins de 500 mètres au sud-ouest de votre position. Vous devez y charger des codes d'annulation pour détruire les missiles en vol. Gaz accompagne les Yantis et attaque le poste de sécurité. Sauf Griggs et moi, on va vers la salle de contrôle. Compris. Surprenez la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas encore ces codes. Terminé. Ouais, on va mettre le paquet. Terminé. On y va. Capitaine Price, ici 5 Delta 6, on nettoie le côté gauche et on se dirige vers la sécurité de la base, à vous. Compris, Delta 6. On est au-dessus de vous dans les conduits, ne tirez pas. Entendu, capitaine. Capitaine Price, 2 Yankee 6 au rapport. On rencontre une forte résistance sur le côté sud. Ils ont verrouillé notre point d'entrée. À vous. Reçu, Yankee 6. Regroupez-vous avec l'équipe 2 et aidez-les à prendre le contrôle de la base, à vous. Bien sûr. On se replie et on se regroupe avec l'équipe 2. Yankee 6, terminé. Capitaine Price, on vous envoie les codes d'annulation nécessaires pour détruire les missiles en vol. Vous avez 15 minutes avant que ces missiles n'atteignent la côte est. À vous. Entendu. Vrashinsky, Vojka, Stuptivisma, Zolbrakov! Внимание! Начат основной запуск с 3-й по 6-й шахте. Обеспечьте все ракетные позиции. Подача горючего отделена. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Зажигание. Запуск завершен. On a pris contrôle de la sécurité de la base. Quelle est votre situation? À vous. On est en position. Ouvrez la porte extérieure de la salle de lancement. Compris, on s'en charge. On y est presque. Ça y est, les portes sont activées. Non mais vous vous foutez de ma gueule. Gaz, tu peux pas ouvrir ça plus vite? Négatif, chef. Mais vous pouvez essayer de pousser si ça vous amuse. Petit malin. Entre les codes, on monte.
confirmation. Attendez. Attendez. Bravo 6, toutes les têtes nucléaires ont été détruites en vol. On a plein de débris, mais ils sont surtout tombés dans l'océan. Capitaine, regardez les écrans de contrôle. C'est Zakaïev, il s'en va. Captain Price, ici Gaz. On est au poste de sécurité. Ils sont venus en camion. Je crois qu'on pourrait les utiliser pour quitter les lieux. Je vous envoie les coordonnées du dépôt de véhicules. Bien reçu. On vous rejoint au dépôt de véhicules. Terminé. Tous avec moi, en avant. À toutes les unités ici le QG, vous devez évacuer immédiatement la zone. Une importante force d'opposition converge vers vous. Foutez le camp, les gars. On est sous le feu de l'ennemi au dépôt de véhicules. Vous êtes où, les gars? On monte par l'ascenseur. À vous. Si vous cherchez un volontaire pour en coller une à Zakaïev. Ouais. Bon, en ligne. S'il ne nous trouve pas le premier. Allez, montez dans les camions, en avant! Vous avez entendu, en avant! Point d'extraction numéro 1 compromis. Rejoignez le point d'extraction numéro 2 au sud du pont. Présence ennemie importante. C'est trop chaud. Température ambiante? Sérieusement, une bière, ça doit être glacée. Une blonde peut-être, ou un verre d'eau à la limite. Mais une panne de brune? Va falloir que je fasse votre éducation quand on sera rentré au pays. En tout cas, on passe d'abord par Londres. C'est moi qui paie. Ouais, au moins c'est pas la fin du monde. Vas-y. Ce sera trop tard, Pivot. On sera mort dans 10 minutes. Camion approche par la gauche. Sur le camion. Un autre lance-roquette. Transport des troupes en approche rapide. Un lance-roquette sur ce truc. Ils vont tirer au lance-roquette. Détruis-les. Hélico à 6 heures! Lance-roquette ennemi! Bute-le! Prends un lance-roquette et tire sur l'hélico! Hélico à 12 heures! Hélico a foutu le camp! Il doit plus y avoir munitions! Ça me va bien comme ça! Ah! Oh merde! Il va détruire le pont! Arrêtez-moi cette saloperie! Le pont va pas tenir longtemps. Allez, vite, vite! Ça va s'effondrer! Il faut foutre le camp de là! Ici Bravo 5, subissons un feu nourri sur le pont de l'autoroute. Coordonnées 244-352. Demandons soutien d'hélicoptère de combat. À vous! On est Bravo 5, vous soyez les plus de branleur! Ils arrivent contre les foutus hélicos! Capitaine Mike, on est tout seul, je te fous! Bravo, ici le sergent Camaron. Il paraît que vous sommes, il faut un petit peu de pas fâché de vous entendre, l'ami.
Jean. On y est presque. Arrivé estimé dans 3 minutes. Kamarov, terminé. Le réservoir va exploser! Mettez-vous à l'abri! Au ciel et des chiites! Ça va bien se passer, mon gars. Mais на шлизде с одного оставшегося в живых! Заберите его отсюда! Быстро, давай! Мы должны доставить его в госпиталь немедленно! En Russie centrale. Les chefs de gouvernement ont très vite dénoncé cet acte, mais les autorités russes affirment que ces tests respectent tous les accords de l'ONU. Le parti ultranationaliste n'a fait aucun commentaire. D'après la rumeur, le parti serait actuellement l'enjeu d'un combat des chefs. Autre information, les recherches du bateau disparu dans le détroit de Bering lors d'une grosse tempête ont été interrompues.